Good morgen, allez, il y a une étude aujourd'hui, le long nishmat avant Mordechai ben Yitzhak, devenu Dora bat Esther, et René Avraham ben Mordechai, ici où c'était, vous aussi, dédié une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternel, nous étudions ma Maseret Yevamot, Perek Yud Gimel, Mishnah Yud. Pikachat vecherechet, ba yavam ala pikachat, vechazar ou ba ala cherechet, o sheba achiv ala cherechet, lo pasal et a pikachat. Ba yavam ala cherechet, vechazar ou ba ala pikachat, o sheba achiv ala pikachat, pasal et a cherechet. Mishnah très simple. Si vous avez compris la Mishnah précédente, alors là, ça va être vraiment du gâteau. Je vous avais dit que la Mishnah allait devenir plus compliquée, mais c'est pas maintenant, c'est plus tard, ça va devenir. Pour le moment, c'est une répétition de la Mishnah précédente, mais de manière beaucoup plus soft. Soit, je traduis directement, quelqu'un qui était Reuven, il était marié avec Pikachat Vecherechet, une femme intelligente, Pikach, normale, et une Cherechet et une sourde. Une sourde, elle n'est mariée que Midrabanan, comme on avait expliqué longuement déjà plusieurs fois. Maintenant, il avait deux femmes. En théorie, quelqu'un qui a deux femmes, il faut faire le hiboum à l'une, et on dispense l'autre. Ça, c'est en temps normal. Mais lorsqu'on a une qui est mariée Minatora et l'autre qui est mariée que Midrabanan, alors c'est évident, on ne pourra faire le hiboum que à celle qui est mariée Minatora, et pas à celle qui est Midrabanan. D'accord? Ben, c'est exactement le principe de la Mishnah, elle me dit. Donc s'il avait une femme intelligente et une femme sourde, et après il décède, et son frère va faire le yiboum. Si, bah, Yavam à la Pikachat, le Yavam, il est parti se marier avec la Pikachat, avec la femme intelligente. Le Chazan, bah, la Kherechet, après, s'il décide de partir avec la Kherechet aussi, eh bien, ça ne sert à rien, il a pas validé la Pikachat. Au Sheba, arrive à la Kherechet, ou encore son frère, il a décidé de passer avec la sourde, mais en deuxième position, eh bien, le passage à la Pikachat, il n'aura pas invalidé la femme. Le premier yiboum. Parce que le premier, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait la vraie mise à l'huile. Bon, mais le deuxième, il a fait n'importe quoi. D'accord? Il a eu une relation extra, sans aucun cadre de mitzvah. Donc il n'invalide pas la première. Par contre, si on avait fait le contraire, que le premier, bah, Yavam à la Kherechet, le Yavam a commencé à partir avec la sourde. Il a fait la mise à l'huile. Et au lieu de commencer avec la vraie mitzvah de Yiboum, il a fait avec la mauvaise mitzvah de Yiboum. Celle qui n'était que Midrabanan. Donc il s'avère que maintenant, il va se marier avec la Kherechet. Il va faire le hiboum avec la Kherechet. Mais c'est embêtant. Il reste bloqué pour le moment parce que l'autre, elle attend qu'on lui fasse encore le hiboum. La vraie femme intelligente, elle n'a pas été acquittée avec le hiboum de la Kherechet. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc le premier commence à partir avec la Kherechet. Et après, le Khazar ou Ba la Pikachat. Et après, finalement, il décide aussi de se marier avec la femme intelligente. Ou Sheba arrive à la Pikachat. Ou encore son frère va partir avec la femme intelligente. Alors la Mishnah me dit, ben, pas ça la Kherechet, il aura invalidé la Kherechet. Pour quelle raison? Même principe qu'on avait expliqué dans la Mishnah précédente, que, plus simple maintenant, pour le moment, c'est que le premier frère qui va avoir un rapport avec la femme sourde, alors elle est que mariée que Midrabanan, pas complètement, et, d'accord, que mariée que Midrabanan, donc il s'est marié avec elle, mais pour le moment, il faut encore acquitter l'autre femme. Elle attend qu'on lui fasse le hiboum, l'autre femme aussi. Dès qu'on va partir faire le hiboum à l'autre femme, il va s'avérer que maintenant, puisqu'elle est beaucoup plus imposante, elle a une vraie mitzvah de hiboum minatora. Il s'avère que finalement, avec qui on a construit la maison du frère? Avec la deuxième. Si on construit la maison du frère avec la deuxième, on ne peut plus prendre la première qu'on a pris. Donc, quand il s'est marié avec la Kherechet, il ne pourra plus rester marié avec elle. Ok? C'est le principe de la Mishnah. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salah.